J'ai trouvé un très bel exercice concernant, je veux dire, les dipôles placés dans un champ électrique. Voilà, donc ici, je vais lire l'énoncé. Un dipôle électrique est constitué par deux charges opposées de valeur en valeur absolue Q valant 10 moins 6 coulombs. Ça veut dire qu'il y en a une qui vaut plus Q plus 10 exposant 6 coulombs, alors que la seconde vaut moins Q moins 10 exposant 6, moins 6 coulombs. Alors, elles sont toutes les deux séparées par une distance d de 2 cm. Ce dipôle est placé dans un champ E de 10 exposant 5 volts par mètre. Donc ça, c'est le champ électrique, hein. Donc c'est le potentiel, en fait c'est le potentiel par mètre, par unité de, c'est le potentiel par unité de longueur. Donc c'est le champ, un champ électrique 10 exposant 5 volts par mètre. Le couple maximum, on demande de calculer le couple maximum sur ce dipôle, donc le couple max et le travail pour tourner le dipôle, comment ça s'appelle ça, de 180 de sa position d'équilibre dans le plan qu'il définit avec le champ, dans le plan qu'il définit avec le champ. Voilà, donc cet exercice est hyper simple pour une raison bien précise. En fait, on a vu tout ça en théorie, il faut le mettre en pratique. Je veux dire, la théorie qui a été vue. Donc, si je reprends le champ, il vaut 10 exposant 5 volts par mètre. La distance D séparant vaut 2 cm. 2 cm. Comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà. Disons. La charge Q. Les charges Q valent. Donc, on a dit combien? La charge Q. 10 moins 6 coulombs. Donc 10 moins 6 coulombs. Voilà. Donc les deux charges là, c'est 10 moins 6. Donc il est relativement très très facile cet énoncé là. Donc on va chercher le couple maximum. Le couple maximum. On avait dit que le couple gamma, on n'avait pas appelé taux, pardon, je m'excuse. Taux. Taux par rapport au point O était égal à P fois E sinus θ. Voilà. Alors, le P, c'est Q fois D, fois E, sinus θ. Donc, quand est-ce qu'on a le taux max? Et quand le sinus θ vaut plus 1, moins 1. Donc, en fait, il suffit de faire QDE. Donc, le Q, c'est combien? Le Q, on a dit combien? Le Q. Attendez, ici c'est. Non, quand il vaut. Ici c'est quand il vaut. QDE. Oui, c'est ça, donc c'est bon. Quand il vaut plus 1, mais Q vaut combien? Q, 10 moins 6 coulombs. 10 moins 6 coulombs. La distance, 2 cm, ce qui fait 2 fois 10 moins 2 mètres. Et le champ, 10 exposant 5 volts par mètre. Voilà, en calculant ça, j'ai le taux max. Voilà, et le taux max, il vaut quoi? 10 moins 6, 10 moins 2, c'est 10 moins 8. 10 moins 8, ça qui fait 10 moins 8 et 10, 5, ça qui fait 2 fois 10 moins 3. Voilà. Et les unités, ce sont des. Comme c'est un couple, c'est en newton. En newton mètre. Voilà, donc c'est très facile. Mais le problème, c'est que bon, le taux max, on a pris quand ceci est maximum, c'est à dire quand il vaut plus 1. Et quand est ce qui vaut plus 1? Quand le θ vaut pi demi, ouais, 0 0, quand le θ vaut pi demi, c'est à dire quand on est à 90 degrés par rapport à sa position d'équilibre. Donc en fait, on n'est pas dans un. Il est peut-être maximum le couple, mais il est dans une instabilité. Voilà. Donc ça, c'est pour le calcul du taux max. C'est très facile. Il vaut 0,02 Nm. Donc, qui le crut? On aurait eu aussi simple pour faire un calcul. C'est normal parce que la théorie était vue. Donc taux max possède une instabilité fatalement parce qu'on n'est pas à la position. Maintenant, on demande de calculer quoi?
le travail pour tourner le dipôle de 180 degrés de sa position d'équilibre dans le plan qu'il définit avec E. Bon, on avait vu que pour le travail, voir les vidéos précédentes, le travail c'était moins P fois E cosinus θ, et là, bon, le θ varie de, on vient de le dire, de 0 à pi. De 0 à pi, de sa position d'équilibre dans le plan qu'il définit avec E. Donc, le plan qu'il définit avec E, donc 180, c'est passé d'ici à de l'autre côté. Hein. Donc, quasiment 180 degrés, c'est de partir de 0 à faire pi. Donc, voilà. Donc, on va passer de la position là à la position là. Donc, complètement. Voilà. Donc, ici, il suffit de calculer moins P fois E, cosinus pi moins cosinus 0. Alors, cosinus pi, ça fait 1. Cosinus 0, ça fait... cosinus pi. Cosinus... Donc, cosinus pi, c'est moins 1, pardon. Oui, moins 1. Et le cosinus de 0, c'est 1. Donc, on a moins PE. Le travail vaut moins PE. Moins 1, ça fait moins 2. Moins et moins, ça fait 2. Donc, ça fait 2 PE. Voilà. C'est relativement facile. Donc, P, c'est Q fois D fois E. Donc, Q, on a dit, c'est 10 moins... c'était une charge de combien? 10 moins 6 coulombs. 10 moins 6. 10 moins 6. La distance, 2 cm, 10 moins 2. Et E, 10 exposant 5. C'est 10. Donc, ce qui fait 10 moins 8. On retrouve 10, 3. Donc, c'est 4 fois 10, 3. 10 moins 3, pardon. 4 fois moins 10 moins 3 joules. Voilà le travail pour ramener, donc, de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le travail nécessaire pour passer de 0 à 180 degrés. Donc, vous voyez que l'exercice, bien que paraissant, je veux dire, complexe à la base, je veux dire, bon, on donne un énoncé pareil à une personne pour voir le réseau, elle ne saura pas le réseau, si la théorie ici n'a pas été établie et que toutes les dispositions étaient faites pour avoir les connaissances nécessaires pour réaliser l'exercice. Et dès ce moment-là, bon, il ne faut pas tout redémontrer, parce que c'est vrai que si on devait faire l'exercice en démontrant tout, bon, on en a pour 2 heures. Ici, il suffit juste d'appliquer les formules qui ont été vues, c'est pour ça qu'on a démontré, c'est pour utiliser directement les formules, et voilà. L'exercice est assez simple, bien que paraissant un peu compliqué. Donc, en fait, on a dû chercher le travail, le coupe maximum, le coupe maximum sur le dipôle, et en fait le travail pour faire tourner le dipôle. Donc le coupe maximum, on l'a trouvé, voir vidéo dans sa séquence. Et le travail, voir vidéo dans sa séquence, de toute façon il est ici, et vous avez les résultats qui sont assez simples à trouver. Voilà, je vous remercie beaucoup.